Celsis Deo, in terra pax omnibus bonae voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam, Domine Deus ex celestis, Deus pater omnipotens, Domine fili unigenita Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi mystere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad esteram patris mystere nobis, veniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus santissimus, Iesu Christe, cum sanctus spiritu, in gloria Dei patris. Amen.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Infirmitatem nostram respiciam omnipotens Deus, et cui abundus propria actionis gravat, beati Bonifaci, martiri tui, atque pontifici, intercessio, gloriosum nos protegat. Atque sumus omnipotens Deus, quid beati Bonifaci, martiri tui, salimuntis colimus, eius apud intercessionis adiuvebum. Omnipotens sempiter Deus, in omni periculos embrueri presidium, quo filios tuos interrogatione fides brigandibus ex aulis, nobis propitiare benignus et presa quaestus, te fructis regio aeternam, solam implorantibus, arotem infirmis, morientibus faciam, operantibus, profragum sanitate robur, spiritum sapiens eilis, qui nos imbrezzate moderantur, et animam ad omnes benevolente ascendi, tu cunti nomen sanctum tum glorificare variantus, per dum nostrum Iesum Christum, firium tum, vite cum vivite et regna, comitate spiritus sancti, per omnia secula, seculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae. Vous êtes certain que ça fonctionne? Oui. D'accord. Les justes se tiendront pleins d'assurance en face de ceux qui les ont opprimés et qui comptaient pour rien leur peine. Ceux-ci, en les voyant, seront agités par une peur terrible, stupéfaits que soudain ils aient été sauvés contre toute attente. Ils se diront pris de regret et gémissant dans l'angoisse de leur cœur, voilà ceux que jadis nous avons tournés en dérision et en fables injurieuses. Insensés que nous étions, nous tenions leur vie pour une folie et leur fin pour un déshonneur. Comment donc sont-ils comptés parmi les fils de Dieu et comment partagent-ils le sort des saints? Alléluia, Alléluia. Confite bonto celi mirabilia tua Domine, et in veritatem tuam in ecclesia sancto. Alléluia. Tu es Domine, super caputius commodam de lapide precioso. Alléluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Sequentia Sanctu Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, pour qu'il en porte davantage. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors comme le sarment et il sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous fêtons aujourd'hui un martyr, confesseur de la foi, qui est Saint Boniface. Boniface est un saint qui n'est peut-être pas très connu en France, car il est beaucoup, on l'appelle l'apôtre des Germains, et donc il est évidemment beaucoup plus prié dans les régions germaniques, où il est plus connu. C'est une figure extrêmement intéressante,
de la foi, bien entendu, comme tout martyr, parce qu'il a confessé la foi jusqu'au bout. Mais peut-être, pas dire que c'est plus intéressant que d'être martyr, parce que c'est la palme supérieure, la couronne qui fait témoigner du Christ par le don de la vie, mais très intéressant pour nous aussi, et sa vie d'apostolat. Je veux en dire un petit mot. Nous sommes au 8e siècle et Boniface vient d'Angleterre. Il est envoyé pour évangéliser les Saxons et il va fonder de nombreux diocèses, dont celui de Salzbourg en Autriche aujourd'hui. Il va fonder Erfurt en Saxe, en Thuringe. Il va fonder aussi C'est un infatigable prédicateur de la foi. Alors évidemment, nous ne pouvons pas rester indifférents, nous qui sommes dans une situation où nous avons l'impression sans cesse qu'il n'y a plus beaucoup de chrétiens. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus beaucoup de chrétiens que notre travail est vain ou que nous n'allons pas y arriver. Car, comme le Christ nous le montre très explicitement par cette image dans Saint Jean que nous venons d'entendre, cette image de la vigne et des sarments, c'est parce que nous demeurons en lui que nous allons porter beaucoup de fruits. Alors évidemment, porter du fruit, c'est difficile, parce que porter du fruit ne vient pas d'une inaction ou d'une espèce de confiance béate en la grâce qui travaillerait toute seule. Vous le savez, la grâce se conjoint à la nature, la grâce parfait la nature, la suppose, ne la détruit pas, mais l'élève. Et donc, cette nature, c'est moi, c'est déjà un don de Dieu que cette nature, et j'ai besoin de coopérer avec la grâce qui m'est faite de la proclamation de l'Évangile. Voilà comment le Seigneur a décidé d'opérer par ses apôtres. Encore faut-il qu'il ait des apôtres. Le Seigneur a voulu qu'il y ait des apôtres, et ces apôtres, ces envoyés, c'est nous. Et si nous ne sommes pas apôtres, si nous n'étions pas apôtres, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile, si nous n'étions pas apôtres, eh bien nous ne serions pas chrétiens, tout simplement. Il n'existe pas dans l'Église, dans la foi chrétienne, il n'y a pas ceux qui ont la foi et puis ceux qui répandent la foi. Non, c'est les mêmes. Si nous avons la foi, nous ne pouvons que la faire savoir. Nous ne pouvons, si nous avons trouvé ce trésor ineffable du chemin vers Dieu, eh bien nous allons y inviter tous les hommes, tirer tous les hommes à lui. C'est ce que Boniface a fait dans un temps particulièrement rude où j'imagine que les pays germains n'étaient pas d'un accès facile, où les conditions de vie étaient rudes, où les discussions étaient âpres, et tellement âpres qu'il finit par être martyrisé pour cette foi, et Boniface n'a eu peur de rien. Il ne s'est pas réfugié dans les églises, en quelque sorte, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, en tout cas, je parle d'églises de construction de pierre, et il est allé annoncer l'Évangile là où il y avait des gens. On lui doit, dans ses récits, l'histoire de l'arbre de Thor qu'il a abattu, car les gens étaient des païens et adoraient des choses, et donc un arbre sacré que l'on appelait l'arbre de Thor. Alors pour montrer que cet arbre, c'était pas un dieu, eh bien, il l'a coupé, tout simplement. Hein, c'est-à-dire qu'il l'a coupé à force d'homme, avec une hache, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris, mais il l'a abattu. Et on rapporte que abattant cet arbre immense qui tomba, il cassa un peu tout sur son passage, sauf un arbre, un petit arbre, qui était un sapin. L'origine du sapin, qui de toute façon est germanique, et peut-être pourrait venir de cette histoire de Saint Boniface, ce sapin frêle mais vert et qui résiste à toute la tempête, à cet écroulement du monde païen que représente l'écroulement de l'arbre de Thor. Alors voilà, nous sommes en face, comme Boniface, d'une contradiction. Alors bien sûr, on n'est jamais à la même période, parce que les périodes ne se ressemblent pas. Nous ne pouvons que tirer des enseignements du passé pour voir comment nous allons agir aujourd'hui. Mais on ne peut pas refaire ce qu'on a fait avant, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Les situations ne sont pas les mêmes. Mais l'ardeur est la même.
Et nous sommes en face d'un monde où, eh bien, il nous faut propager dans ce monde néo-chrétien, qui, néo-païen, je ne sais pas comment il faut dire, en tout cas qui a été chrétien dans sa constitution, dans sa naissance, dans, voilà, nous sommes les héritiers de ce monde-là, et il nous appartient de propager la foi avec la même ardeur que Saint Boniface. N'ayons pas peur. Ce qui fait fonctionner la foi, ce qui fait fonctionner l'apostolat, c'est la grâce de Dieu. C'est parce que nous allons demeurer en Dieu. Alors voilà, je finirai sur les conseils pratiques pour devenir des apôtres tels Boniface. Eh bien, c'est très simple, si j'ose dire. La prière, il nous faut demeurer en Dieu, il nous faut méditer, il nous faut lire la parole divine qui nous est transmise à travers l'Écriture et proclamée par l'Église, méditée par les pères de l'Église et donnée dans jusque dans le catéchisme par le magistère de l'Église. Voilà comment nous allons demeurer dans cette présence de Dieu, le connaître, pour ensuite l'annoncer erga omnes. Partout où que vous soyez, il vous faut établir le règne du Christ, la paix du Christ, hic et nunc. Tant que nous ne l'aurons pas fait, la paix véritable ne peut survenir. La paix ne peut survenir de la matière dont l'argent est l'emblème, la matière et notamment l'argent, divisible à l'infini et diviseur à l'infini. La seule chose qui peut unir les hommes et apporter la paix, c'est l'Esprit du Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui a formé ce monde, d'où il est issu, c'est cette unité qui peut nous donner une véritable paix, Pax Christi in Regno Christi. Voilà notre mission, elle est aussi belle que celle de Saint Boniface, et il nous faut nous y atteler, afin que le Christ soit complètement manifesté, c'est ce qui se passera à la fin des temps, à l'Apocalypse, et nous y aurons notre part, cette manifestation de la gloire de Dieu, nous y aurons notre part, et si d'aventure cet Apocalypse n'arrivait pas maintenant, il faut que vous ayez l'ambition que dans les siècles à venir, votre nom soit évoqué à la mémoire des saints, que l'on puisse parmi nous trouver de nouveaux saints Boniface, de nouveaux confesseurs de la foi, y compris s'il le faut jusqu'au don de la vie. Il nous faut avoir cette ardeur de vouloir monter au ciel et peut-être même d'être des saints canonisables à notre mort. Nous n'avons pas d'autre ambition que celle du Christ, et le Christ, c'est la gloire totale. Ainsi soit-il. Dominus vobiscum. Oremus. Videro un turcelli meraviglia tua domine et veritatem tuam in ecclesia santum, alleluia, alleluia. Je célébrerai cette messe pour des défunts, Suzanne et Jean-Baptiste, Berthe, Maurice et Adélaïde. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Seigneur est ma lumière et mon salut. Seigneur est le rempart de ma vie. Pour un tes frères, tu es Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Amen. Sorsum cor. Amen. Amen. Gratias agamus Domino Deo nos. Dignum et justum est. Veredignum et justum est, secum et salutarete, quidem Domine omni tempore, sed in hoc possium gloriosus predicare, cum Pasqua nostrum immolatus est Christus, ipse enim velus es angus, qui absurit peccata mundi, me mortem nostram moriendo destrucit, et vitam resurgendo reparabit. Et ideo cum angelis carcangelis cum tronis et dominationibus cum omnia virtua celestis exercitus in un glorie tue canimus sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna. Fais prier. Supplices, secunda. Mm.
Amen. Eronia secula seclor. Oremus preceti salutaribus montiet divina institutione formati audimus dicere. Pater noster qui in ciel dissantibus et tur nomen tum adveniat regnum fiat voluntas tua sic in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sic ut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem. Se libera dos malo. Per omnia secula seculo, pax domi sit semper vobis. Agnus Dei, ue tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, ue tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quae tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine non sum Dei. Domine non sum Dei. Domine non sum Dei. Communion spirituelle, je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. L'établitus tuus in domino et
locus natum de Maria Virgine. Vere passum immoratum in cruce promini, cuius latus perforatum flux et aqua et sanguine. Est nobis pregustatum mortui mortis in examine. O Jesu dulcis, o Jesu pio, o Jesu fili Mariae. Dominus vobiscum et nos spiritu. Oremus. Perfecti participatione muneri sacri quaesumus, Domine Deus noster, ut cuius ex exequimur cultum, intercessendo beato Bonifacio, martire tuo, sensiamus effectum. Deus, in cui apporcipimus vitae aeterna medicinam, concede quaesumus, ut per hoc sacramentum de celestis remedii plenitudine gloriemur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui deum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite emissaris. Deo gratias. Gladius. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Inetium sanctu evangelii secundum Ioannem. Gloria Signor. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia peritum facta sunt, et in ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux omnium, et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderunt. Fuit omnum Iisus ad Deo, qui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testium periveret de lumine, ut omnes crederent per illum, non erat ille lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Erat lux veraque illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus spiritum factus est, et mundus eum non cognum. In propria venit, et sui non receperunt, quod quodotem receperunt eum dei potestatem, Dite is potestatem filios Dei fieri is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, ed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, ut habet in nobis, et vidimus gloriam tuam, gloriam cogitia Patri, plenum gratiae et veritate. Amen. Gratias. Prière à Saint Roch. Saint Roch, qui avait soigné avec tant de générosité, de charité les malades atteints de la peste, Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions d'intercéder auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison si Dieu le permet dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps mais aussi de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre des orages et de tout mal. Saint Roch, cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Regina Celi, et Ave, Alleluia, quia quae meruis si portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia, quia surrexit Dominus vere, Alleluia, Deus cum per resurrectionem fili tui, Domine nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est.
sit apra presa quaesem us ut pere iuntis quem vicin in marinam perpetua in capiam us gaudia vitri. Per Christum Dominum nostrum. Amen.